truc que j'aime tout particulièrement dans le mois de décembre, c'est que je suis grave chiante et j'enlève tous les petits trucs comme ça. Mes mains, ça va encore. Mais genre, ouh, quand même. Pourquoi? Parlons peu, parlons bien. On est surtout là pour ouvrir mon calendrier. Parce que hier, du coup, j'ai oublié. Ce qui est très tragique. Enfin, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas dormi à la maison, donc forcément. Très bien. Et, oh, il est grand aujourd'hui. No idea. What? Mais attendez, what? Alors déjà. Et... Oh, trop bon! Ça va me donner de l'énergie pour la journée de montage qui m'attend. Petite pause dans mon montage pour vous dire que j'ai reçu mes places pour Olivia Rodrigo, ce qui me rend très heureuse. Voilà, j'y retourne. S'il y en a une qui apprend pas de ses erreurs, c'est elle-là. Il est actuellement 8h30, ma vidéo est tellement loin d'être upload. Je pense vraiment qu'elle va être en ligne à genre 21h30, ce qui est un peu minable, mais bon voilà. Au moins c'est fait, et ça c'est bien. Je sais pas comment je fais, franchement. J'ai cru que j'avais le temps et j'ai cru que j'avais un peu avancé mon travail, mais en fait non apparemment. Et en plus je sais, parce que maintenant je suis en mode drainée de cette journée, donc je vais pas monter ce clip, ça là, ce que vous voyez là maintenant. Et je vais pas le monter aujourd'hui, qui fait que je prends déjà du retard pour la semaine prochaine. Pas les cheveux courts, hein. Je sais. En gros, je sais pas si vous voyez. Oui, là, vous voyez une fille. Mais là, mon brun, bah, il décolore. Et j'ai toujours peur quand je refais mes racines que je perds tous mes cheveux. Mais en fait, pour une raison que j'ignore, mes cheveux décolorés ont l'air en meilleure santé que mes cheveux qui sont bruns. Parce que eux aussi, ils ont été colorés, du coup. Mais ils ont été décolorés après colorés. Enfin, voilà. Et eux, là, bah, ils perdent de leur couleur et ça fait longtemps. Donc je crois que je vais refaire aussi ça, mais c'est aussi peut-être parce que la dernière fois j'avais utilisé un brun très 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 foncé, mais j'ai les cheveux presque noirs, donc forcément avec les shampoings, ben voilà. Mais là c'est vraiment moche, genre j'en peux plus, c'est pour ça que j'ai toujours les cheveux attachés, parce que je vois trop la démarcation et ça m'énerve trop. Et j'ai repoussé ce moment le plus longtemps possible pour pas perdre mes cheveux, mais je pense qu'on va devoir le faire. Vu qu'ils sont pas en très très bonne santé, on voit grave une chier quand... Je préfère que ça soit toute la même couleur, déjà ça va un peu cacher la misère. Je sais que je sais pas ce que je suis en train de faire, donc pas besoin de me le dire en commentaire, pas besoin d'être là... trop moche, je sais. Enfin si vous voulez, hein. Allez, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez dire ça, dites ça, mais sachez que je le sais. Let's go. Putain mais c'est petit, tout un sweater. J'ai jamais vu des gants autant chiants. Bref, je sais pas si vous voyez. En gros genre, là c'est brun. Et moi j'ai les cheveux comme ça, donc tout ça je suis sûre c'est à cause de la coloration qui m'avait fait les cheveux verts. Oh merde non. Oh fuck. Oups. Ok, c'est définitivement foncé. J'ai un peu peur que ce soit trop foncé. C'est pas grave, je préfère ça que le brun moche qui me rappelle cette colo verte. Donc non. Yep. C'est noir. Allez, tant qu'on y est. Ça, hein. Écoutez, tant qu'on y est, autant faire n'importe quoi. Et je crois que là j'ai vraiment fait n'importe quoi. De ce côté c'est tombé accidentellement genre, mais de ce côté je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je crois qu'il faut que j'arrête. Ah ça va, je crois que ça va franchement. Oui, waouh, I'm a new woman. Très contente d'avoir une seule couleur de cheveux, enfin non, deux. Même trois, parce qu'en vrai, j'ai enlevé la décolle genre un peu tôt, donc c'est encore un peu jaune, mais rien que je peux régler avec quelques shampoings violets. Et si vraiment
Vraiment, on redécolera, mais là on me laisse tranquille mes cheveux un petit peu. Je dis pour la partie ben, brune, noire, bah ben, là, le haut de ma tête quoi. Je suis contente d'avoir une seule couleur. J'ai encore des cheveux? Ok. Ah, vous vous rendez pas compte comment je suis contente. Maintenant que ça c'est fait, calendrier, et après on va ranger ma chambre parce que je sais pas comment en une semaine c'est de nouveau le bordel, mais j'ai vraiment besoin de faire ça toutes les semaines. Et ça finit toujours par être un bordel. Et là j'ai des cadeaux partout. Je peux pas fonctionner. Tout ce pouf là où les habits s'empilent comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, genre, what the fuck? En fait, c'est surtout des vestes parce que ben c'est l'hiver donc je change de manteau, puis après je les pose là et après voilà. Il faut que je range pour pouvoir travailler parce qu'après je vais faire que ça en fait. Je vais essayer de faire le plus possible parce que j'ai vraiment plus que ça à rendre en fait. Enfin, après oui, il y a les examens en janvier, mais là pour décembre, c'est mon focus principal en fait. Et une fois que j'aurai fini ça, dans ma tête, ce sera les vacances. Parce que là vraiment, j'ai pas cours aujourd'hui, demain mes cours est annulé, donc vraiment c'est un peu les vacances. Il y a vraiment juste ce dossier à finir, donc j'aimerais bien bosser sur ça. Je peux pas bosser dans ces conditions, donc il faut que je range. Voilà. Et il faut que j'arrête de parler avec les mains aussi. Je suis vraiment la pire, je dis qu'on va ouvrir le calendrier et après j'oublie du coup le calendrier. On est le 20, guys, ce qui est un peu terrifiant, vraiment. Dans 4 jours, c'est Noël. Parce que oui, ici, dans cette maison, Noël, c'est le 24. Le big deal, c'est Noël le 24. Ça a toujours été comme ça et je suis très contente. C'est trop Noël. Et vous l'aurez deviné, petit caramel et un chocobon. S'il y a quelque chose que ce calendrier m'a apporté, c'est que je crois que je préfère les Twix blancs ou Twix bruns. Je crois que dans tous les cas, je préfère toutes les versions au chocolat blanc. Je sais que je suis un peu folle de dire ça, mais je crois que c'est vrai, hein. Mais n'empêche que les Twix originaux, c'est quand même my first love. Mais ça, c'est très très délicieux. Maintenant, on va ranger ma chambre pour de vrai et je vous retrouve après. Juste avant que je m'attache les cheveux pour pouvoir travailler en conditions normales. Et je crois que le noir il a un peu décoloré sur le blanc. Vous voyez les pointes elles sont bleues. C'est un peu what the fuck. Mais c'est drôle, enfin j'aime bien. Et là c'est encore très très jeune parce que ben ça vient de décolorer. Et j'ai peut-être pas laissé assez longtemps aussi. Mais bon voilà. Let's get some work done. Aussi je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi avec cette sorte de frange rideau là. Genre. C'est beaucoup trop cool. Anyway, j'ai mon ordi là et on va travailler. J'ai rien fait d'autre en vrai à part emballer tous les cadeaux à ma soeur. Vous voulez voir? Parce que oui, je suis l'emballeuse de cadeaux d'office. J'aime trop emballer les cadeaux. Et du coup, bah, si on me propose, je dis oui. This is a work of art. Salut. Bonjour. Vous savez pourquoi on est là? Ouvrir le calendrier. J'ai pas le bon. J'en ai marre et je suis si loin d'avoir fini. Vraiment si loin. Je suis désolée, ça va vraiment pas être drôle, mais en plus, j'écris genre 3 mots et j'en ai marre. Faut que je finisse ça. Et comme ça, après, c'est les vacances. Vraiment, là, c'est juste les conséquences du fait que je sais pas gérer ma vie académique. Je vais rendre les choses à temps, hein. Y a pas de souci. Mais j'arrive pas à me mettre dedans, à part si je suis à 2 jours de la deadline. Je vis les conséquences et du coup, vous aussi, parce que c'est vraiment pas fun. C'est juste moi qui suis comme ça en mode. Et toutes les 5 minutes, je suis en mode, let's take a break.
Est-ce qu'un jour je vais apprendre de mes erreurs? Non, parce que ça fonctionne, donc dans mon cerveau c'est pas une erreur. Et chaque fois je me dis, ah mais ce serait nice Cindy, de commencer en avance. Honnêtement là, j'ai commencé en avance, mais en même temps si après la prof prolonge la deadline et me dit tu as 2 semaines de plus, est-ce que vous pensez que je vais finir et avoir les 2 semaines pour... Non, forcément non, ça marche pas. Mentalement, physiquement, j'en ai marre d'avancer mais d'avoir l'impression de pas avoir la fin. Mais c'est un problème pour demain. On va faire la seule chose qui peut me rapporter un semblant de confort et un semblant de bonheur actuellement, c'est-à-dire revoir Spider-Man No Way Home. First things first, on va s'habiller peut-être, ce serait une bonne idée, parce que là je suis en pilou pilou et ça va me faire du bien aussi. Je suis pas sortie de chez moi toute la journée donc et là je m'apprête à m'asseoir dans un cinéma pendant 3 heures, mais c'est pas grave. Ça va être nice. See what I did there? Je veux juste être confortable en fait. Donc, gros sweat, soupule pour pas mourir de froid. Et en même temps, bah, c'est les couleurs de Spider-Man donc. Et petite jeans très Andrew Garfield, Peter Parker. It's giving Peter Parker, mais aussi Spider-Man. Je suis tellement excitée. Alors que je sais ce qui se passe, mais. Je sais pas pourquoi je suis autant contente de la revoir. En fait, c'est peut-être parce que je sais ce qui se passe dedans. Je sais pas, mais je suis trop. J'ai trop hâte. Je sors à l'instant de Spider-Man. J'ai dû faire un peu la fake fan et partir après la première scène de fin là. Parce qu'en fait, je vais louper mon train. Je vais grave louper mon train en fait si je partais pas en avance. J'ai regardé la première scène, en fait personne s'est levé en avance et moi j'étais en mode je dois partir, je vais être la première à me lever de ce cinéma. Et en fait les gens se sont levés après la première scène de fin de crédit, donc je me sens c'était un peu mieux. Mais mal pour eux parce qu'ils vont pas savoir du coup, mais bon voilà. Là je dois me dépêcher du coup pour aller prendre le dernier train en fait, mais c'était trop bien. Je sais pas si vous me voyez en fait, mais bon voilà. Oh, c'était trop bien, je ne remettrai jamais de ce film. Et oui j'ai pleuré, même si je savais ce qu'allait se passer. J'ai pleuré un peu moins, mais j'ai pleuré quand même. Hi, je viens de me réveiller. On va ouvrir notre petit calendrier. J'arrive pas à croire qu'on est 22, c'est tellement bizarre. Je vais vraiment me réveiller alors 5 minutes. Hein, donc. Ah, caramel, Kit Kat. Tout ce qu'il me faut. Maintenant, écoutez, il m'attend une longue journée de faire genre que je suis intelligente. Let's go! Petite pause pour emballer les cadeaux. Vous voyez ce que je vois là? I did it! Woohoo! C'est fini. Je suis en vacances. Enfin, je suis pas littéralement en vacances, mais je suis en vacances demain. Petite danse pour célébrer oblige. Je suis en vacances là. C'est fini, c'est ciao. Remis pour évaluation. Je vais pas te relire encore une fois. J'ai passé toute ma journée à faire ça. Pour une fois ça change du montage. D'ailleurs merde, le montage de ce vlog il est absolument pas commencé. Mais c'est pas grave, on a le temps. Et je suis trop contente, c'est les vacances. Enfin c'est les vacances pendant 2 semaines avant que je me mette à bosser pour les exas janvier. Mais en attendant, là tout de suite, c'est une grande réussite et c'est un grand moment pour moi. Et je vais célébrer en regardant Tick Tick Boom ou The Amazing Spider-Man. Oui, je suis de retour dans mon obsession de 2012 avec Andrew Garfield et j'en ai pas honte. Je suis trop contente là, je suis très fière de moi. Comment je suis en avance? Un jour et une heure d'avance, eh. Quand même. Y'a Amy. C'est tout, maintenant je vais profiter de ma soirée et débattre quel film je regarde. I don't know guys, I don't know. Je sais pas ce que je vais faire, tout ce que je sais c'est que je vais avoir the time of my life doing it. Yep. À demain pour une journée qui, je l'espère, sera plus cool.
je sais qu'elle sera plus cool. Elle sera peut-être autant stressante parce qu'en fait je vais faire mes derniers cadeaux de Noël que je suis trop bête et que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Alors que je m'y suis prise hyper avance. Mais en vrai c'est que des petits trucs, donc ça devrait le faire. Oh, the Christmas vibes, ça va être nice. Et après demain c'est Noël quoi, donc... Happy Christmas Eve, Eve! Not giving what I thought it was giving. Si vous avez un doute sur comment vous êtes habillé, habillez-vous comme un grand-père. Ou une grand-mère. Mais là, je suis pas sûre que j'aime ça. Maintenant qu'on le voit moins. J'aime pas trop comment il ressort. Juste changer ça. Pas sûre d'aimer plus, mais j'ai pas le temps de changer. Taylor Swift à toi. Did the damn thing. J'ai mes derniers cadeaux. J'ai aussi fait quelques courses pour le repas de Noël parce que oui, demain, toute la petite journée, je suis comme ça en train de faire à manger. Ah, je suis en vacances. Avant de devoir réviser pour les examens, je suis en vacances pour l'instant. J'ai pas ouvert mon calendrier. On est le 23, demain c'est Noël. Si j'arrive à sortir. Waouh! Tant de choses. Twix, petits bonbons, chocobons, caramel. Voilà. Trop bien. Je suis en vacances. Là je vais juste me mettre en habit confortable. Sûrement que je vais me poser en emballant les cadeaux et en regardant la fin de Tic Tic Boom parce que hier après j'étais trop fatiguée pour finir. Et que c'était trop cool pour m'endormir devant, donc j'ai mis pause. Et voilà. Là je suis si fatiguée d'avoir porté ce sac qui pèse genre 10 kilos comme ça sur ma petite épaule. Et comme une idiote aussi j'ai pris un tote bag à l'uni qui était déjà en train de me démoter l'épaule. Donc là j'ai mal aux épaules. C'était beaucoup d'épaules là dans mon vocabulaire. Je suis très contente. C'est les vacances. J'ai du mal à croire que demain c'est Noël. Après regarder Tic Tic Boom je vais me faire un marathon de films de Noël parce que j'ai l'impression d'en avoir pas assez regardé. Et que c'est mon... plaisir coupable préféré, donc voilà. Et sinon je pense que je vais me mettre au montage de ce vlog parce que voilà, c'est mes plans. Later. J'en ai fini avec le papier qui va être partout, donc c'est bien. C'est tout ce qui me reste du papier maudit, mais du coup j'ai plus de cadeaux assez petits pour emballer avec ça, donc tant mieux. Ce papier qui fait des paillettes partout, je suis si heureuse de savoir que je vais plus devoir passer aspirateur à chaque fois que j'emballe des cadeaux. Il me reste plus que quelques petits cadeaux et après j'ai tout fini. Et demain c'est Noël. J'ai officiellement fini d'emballer tous mes cadeaux. Later that same evening. Je sais que j'ai parlé de films de Noël mais c'est tellement tentant de juste rewatch ça en fait. Si vous pensez que je vais me priver, vous avez tort. Je sais que c'est Noël mais... Je commence par laquelle? N'importe. C'est quelque chose qui est en train de cuire déjà, je sais pas ce que c'est. C'est une marmite. Oh! Pourquoi j'ai autant de choses? Vous avez tout mis d'un coup. Vous avez tout mis d'un coup. Attention, je me suis abonnée. Waouh, c'est tellement Noël. C'est Noël. Et sur ça, j'arrive pas à me... Je suis trop petite. Putain, je suis bien là par terre. Je viens vraiment de me réveiller et je suis vraiment... Le glow-up entre maintenant et ce soir va être évident. Mais je suis pas sûre de filmer plus aujourd'hui. À part peut-être des petits clips par-ci par-là, mais... Je compte profiter à fond parce que, bah, comme je vous ai dit, dans ma tête, aujourd'hui c'est Noël. Donc si on se revoit pas, j'étais trop contente en vrai de faire ça. Et en vrai ça va me faire bizarre de plus filmer. Je sais pas, enfin c'est trop une habitude bizarre en fait de filmer tous les jours. Mais enfin c'était chouette et c'était trop bien. Je sais pas si c'était le contenu le plus amusant ou le plus fou ou machin. Parce que c'était littéralement juste moi qui va en cours et moi qui pleure parce que... Enfin pas qui pleure mais vous avez compris. Parce que la fin du semestre. Et j'adore cette période de l'année.
Et même si c'est pas évident toujours de profiter avec les exas et avec tout le reste, bah c'est quand même une période que genre j'aime trop. Je réalise pas que c'est Noël en fait, donc c'est pour ça. Aujourd'hui je veux vraiment profiter à fond. Et je m'en vais dès maintenant me préparer et préparer surtout la bouffe. J'ai trop hâte. Et j'ai mal au bras de tenir cette caméra parce que j'ai pas trouvé un spot où vous poser. Bref, sur ça, encore une fois, joyeuse fête. Profitez. Si vous fêtez pas, j'espère que vous savez que genre je vous aime quand même. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous. Bye. J'ai décidé que j'allais mettre ça toute la journée.